Hello, me revoili, me revoilou. J'ai pensé vous faire. Donc, je vous ai dit ce que j'avais acheté chez Craftelier. Et j'ai pensé vous faire un petit test du Stamp Cleaner Spray. J'ai un tampon ici que j'ai utilisé et que j'ai pas bien nettoyé du tout. C'était l'encre. Attendez, hein. Je sais quelle encre j'avais utilisée, je ne me rappelle plus du nom. C'est une encre textile. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire les étiquettes pour mon fils, pour ses vêtements. Donc voilà, donc c'est une encre pour tissu, papier, bois, Enzo Wort et plein d'autres choses. Donc c'est ça. Voilà. Je la remets en place. Et je vais faire le test avec vous. Donc moi j'utilise ces petites je sais même pas comment appeler ça, des locks. Moi je dirais des locks, mais de chez Action, des microfibres, voilà. Ça se lave bien. Alors, je l'ai pas encore utilisé. Voilà. Je vous avais montré le tampon avant. Je ne sens pas vraiment d'odeur au produit. Mais c'est plutôt pas mal. C'est bizarre comme produit. C'est pas vraiment. C'est gras. Je ne sais pas comment vous expliquer. On sent pas l'humidité du produit. C'est plutôt gras. Ça me fait penser à la térébenthine. Mais ça n'a pas d'odeur. Jeter dessus. Ça marche bien. Et voilà. Alors, est-ce que vous voulez un essai avec... Tant que j'y suis... Tant que j'ai... C'est super bizarre sur les doigts parce que... Ça ne sent rien, mais c'est un peu comme les dissolvants gras là. Vous voyez? Lastazone. Où es-tu, ma petite Stazone? Parce qu'on sait bien que s'il y a une encre casse-pied à nettoyer, c'est bien celle-là. Hop. Un papier. Je stazone. Je tamponne. Oh, bah ça reste même pas sur le tampon. C'est bizarre ça. Attends, j'en ai mis dessus. Hein. Je vais laisser un peu sécher. Ah, ça sent bon ça. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, donc ça c'est après cette zone. J'ai l'impression que le produit empêche qu'elle n'adhère au tampon. Oui, ça l'enlève bien. Ok, je vais essayer avec un autre tampon où je n'ai pas encore mis de produit dessus.
J'arrive. Est-ce que je les ai rangés? Oh, à force de tout changer de place tout le temps, on ne retrouve plus mes jeunes. Alors, me revoilà. Donc, je vais prendre ce tampon. Décidément, la mise au point. Mise au point. Ce tampon clear. Je vais faire ça. Ça reste pas dessus. J'ai pas de chance. Voilà, allez hop, je vais laisser comme ça. Je vais laisser sécher. Et en attendant, j'ai encore ça aussi que j'avais utilisé il y a bien longtemps pour les dragées de mon fils. Et je n'avais pas bien nettoyé non plus. Donc ça, c'était avec de la. Mais non, ça, c'est, ça a marqué le caoutchouc en fait. Avec de là. Non, là, ça a coloré le. Ça date d'il y a trop longtemps. Ça a coloré le tampon en lui-même. Alors, attendez. C'était de la color box. Voilà. Alors, Mastazone ici. Nickel, hein. Je suis désolée, ça veut pas faire la mise au point. Voilà, donc si vous regardez le tampon, il n'y a plus rien dessus. Voilà, pas d'odeur. C'est super. Je valide. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, un petit truc, hein. Ils mettent ici apte pour utiliser avec le coffret de nettoyage pour tampons de craftelier basique. Donc, à mon avis, ils vont bientôt nous sortir une planche de nettoyage pour tampons. Et il n'y a pas de composition sur le flacon. Donc, voilà. À la prochaine. Bye bye.